Salut les geeks! Salut! On dit que les jeux vidéo rendent violents. Je sais pas qui c'est les enculés qui racontent ça, mais ils vont s'en bouffer une! Mais t'écoutes le sergent-chef, toi, t'arrêtes de regarder les images, là! Ok? Est-ce qu'on peut jouer à deux déjà? Je ne sais pas. Il va falloir regarder. Alors déjà, j'appuie sur Start, ça marche pas. Donc, Select, A, B... Select, voilà. Encore Select, mode A de player, je suppose que c'est ça. Et c'est quoi le mode B? J'en sais rien. Il y en a un où il doit y avoir les dégâts alliés, je pense. Ah, c'est violent, il l'a tapé avant de l'enlever. Ouais. Ah, et les graphismes d'une telle qualité, ça... Ouah. C'est des belles couleurs, là. Ça nique les yeux tellement que c'est beau. Ah, putain, attends, je suis où? Je vois un bleu. Appuie voir sur Start. Non, à mon avis, je joue après. On va essayer le mode B. Ah non. Ah, c'est du versus. C'est un versus. Je me demande si on va pas lancer le 2 alors. Wow! C'est le fighter avant l'heure, ouais. Faut appuyer sur les deux en même temps. Ça. Il y a qu'une seule musique en fait depuis le début. La musique du menu de départ, c'est la musique qui est tout le temps. Je pense que c'est voulu, les couleurs jaunes dégueulasses qui détaillent sur les persos. Je sais pas. Je suis pas sûr. C'est peut-être pour éviter que ça rame. Oh, la perspective dégueulasse, regarde les briques là. Elles sont toutes déformées. Trop mal fait. On peut enchaîner quelque chose là, parce que... C'est quand même pas évident de trouver le bon angle pour taper. Est-ce qu'il y a des coups spéciaux quand même à part ça? Je pense pas. Il y a pas assez de touches. J'ai le souvenir d'une histoire de coups de pied tournoyants et pas des projections, des trucs comme ça. Ouais, c'est peut-être plus loin ou alors il faut réussir à enchaîner plus d'un coup de poing. Ce qui est bien, c'est qu'on n'arrive pas à se taper même en étant vraiment face à face. Yeah. Je suis encore vivant, j'ai plus de vie. On sent que les contrôles sont puissants quand même. Ah mais t'es immortel en fait. Ouais. C'est la force du rouge. Quoi qu'il y en a qui jouent au mode là. J'en sais rien. Mais on peut pas quitter. Donc là je vais appuyer sur le reset. On peut pas quitter, on peut pas mourir. Alors. Salut les enfants. Eh oui les enfants, c'est Célibat, la chauve-souris du célibat. Vous jouez aux jeux vidéo au lieu de parler aux filles? Ouais, mais elle tire la gueule tout le temps. Et on se prend que des râteaux. Bah, allez aux soirées et attendez qu'elle soit ivre. Ouais, mais on sort pas, nous. On n'a pas un rond, quand vous voulez qu'on fasse. Ah, mais vous êtes pauvres, en fait. Ah, je reviendrai vous voir souvent, alors. Ok, salut. Dans 10 ans, si possible. Ouais, voilà, revenez jamais. Encore mieux. Bye bye! Je serai pas loin si vous avez des questions! Bon, allez plus loin, putain! On y va, hein, on passe à Double Dragon 2 parce que. Là, on peut pas jouer à deux. Voilà, donc double, on sait pas pourquoi, c'est simple dragon.
simple dragon. Ça n'a aucun sens. On préfère double dragon. Voilà. Alors, start. Voilà. Évite le B parce que c'est ouais, B, ça va encore être du 1 contre 1. Ouais. Ça, c'est bon. Alors. Là, comment on fait déjà pour sélectionner. Tu termines sur un player. Voilà. Je sais pas, c'est histoire une fois que t'es comme ça. J'appuie sur AB. Donc ça va être start peut-être. Non. Et là, c'était pas la difficulté maximum qui était écrite là. Si. Ouais, mais non. Ah si. Non, mais on va faire reset. Ok, donc là. Il ouais, faut déjà 10 minutes pour t'appuyer là ou ça va aussi vite que ça? Non, c'est moi qui appuie. D'accord. Waouh, il y a des scènes cinématiques. Ah bah dis donc, ils ont fait bien. Ouais. Réaliste. Ouais. On va venger sa mort. Ah voilà, on peut jouer à deux en même temps. Je suis bleu. J'arrive déjà pas à attaquer. Alors les coups de pied. Les coups de pied ça part derrière soi, c'est ça? Ouais. Faut se retourner pour les. Ok, est-ce qu'il y a des coups spéciaux? Je vais juste essayer un truc, bouge pas. Non, ça va, on se touche pas. Alors, quand on appuie sur les deux en même temps, on saute. Ah, il y avait que deux touches hein, sur la NES. Ouais. Ok, mais. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de coup spécial Il n'y avait pas une histoire de coup de pied tournoyant hein. C'est peut-être sur le 3. Projection, mais des fois, il y a quand même, des fois, il y a quand même des coups de poing qui partent avec le coup de pied. Donc, je comprends rien, déjà. Dans aucun sens. Cherche pas, tu tapes. À la moitié du temps, en fait, on attaque derrière soi avec des coups de pied. C'est une question de direction. Quand tu vas vers la gauche, le coup de ton de la gauche, il tape un coup de poing et celui de droite, il donne un coup de pied arrière. J'ai rien compris. Bah là, dans le sens où je suis, le B c'est coup de poing et le A c'est coup de pied, et puis dans l'autre sens, c'est l'inverse. Ah ouais, d'accord. Donc le bouton attaque dans la... Attends, on peut monter là. C'est en fonction de la direction que tu regardes en fait. Ouais. C'est très bizarre. J'ai le fouet. Super. Alors, je dis. Bon, alors la moitié du temps, j'appuie sur le mauvais, hein, quand même. Je te rassure, t'es pas le seul. Ah putain. On ça ramasse fait. Avec quoi les trucs? Avec A ou B, mais quand le combat est fini, ils disparaissent. D'accord. Bon, je suppose qu'il faut pas sauter dans le vide à la droite. Je demande si c'est normal les gros glitchs dégueulasses qu'il y a sur tout le contour de l'image. Évidemment sur la mauvaise direction à chaque fois. Ça glitch tellement en fait que je vois plus rien quand il y a des... Ah bon, ça doit être un boss. Ouais, vu la musique. À chaque fois, j'appuie sur la mauvaise direction. Mais pourquoi tu sautes? Mais j'avais pas l'intention de sauter, je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Il est disparu. Ah, il a réapparu. C'est quoi ce vieux truc de merde? J'en sais rien, mais ça clignote beaucoup et on voit rien de ce qui se passe. Ça sert à rien son truc. Ça y est, on a gagné, ça bouge plus là. Ou alors ça a frisé. Alors on a gagné.
Ah, j'ai appuyé sur Start, ouais, c'est ma faute. Donc là, il y a un saut. Bon, on va sauter alors. Bon, ça va. Ah, j'ai fait une projection et j'ai pas compris comment. C'est quand t'es assez proche du mec pour le choper, quand tu l'enchaînes, c'est le bouton arrière. D'accord, et là, il y avait un précipice. Et ça, c'était une échelle. D'accord, ça ressemble beaucoup à du décor. Ça fait partie des jeux où on apprend en crevant. Ouais, je m'y ferai jamais au bouton qui change selon la direction où on regarde. C'est trop ce qu'il aura appris. Putain. C'est les japonais, ça, c'est moitié chinois, ils ont une logique bizarre. Ouais. Ah putain. Tu pourrais prévenir là. On peut s'accroupir dans le truc là? Non. Si. T'es obligé de manger. Ah bon. Tu fais comment pour t'accroupir? En fait, il fallait descendre l'échelle peut-être. Alors bas plus direction, ça fait rien. Elle a fait tomber quoi là? Bon, pour l'instant, c'est pas trop dur. T'as mis en facile aussi. Ouais, c'est vrai. Ah putain, les directions qui sont inversées, là, laisse tomber. Ouais, j'ai trouvé le coup de genou sauté. Comment? C'est le double saut. Quand t'atterris et que t'es accroupi, tu rappuies sur. Tu rappuies sur saut? Ouais. Ouais, ça marche pas. Ouais, ça marche un peu quand ça veut aussi. Je pense qu'il y a un truc à faire pour. J'ai pas trop calé ce qu'il faut faire. Parce que quand t'arrives accroupi, tu rappuies et c'est censé marcher ou pas.